Oh, my God.
full of him. I'm thinking about the solo. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines, à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou. Madesu, l'osonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Pleine région parisienne. Chez Chiquito Papa Paradis. Au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Laisse aux médias. Toujours. Ouais. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Thank you.
Merci à tous, merci. Baba,
L'original et la vraie, c'est le respect dû au monde, puisque le monde doit être respecté. Voilà, qui justifie amplement tous les gestes et tous les cérémonies en nom de l'échec disparu dans nos deux sites. Maintenant, donc, dans cette logique de respect du monde, ils vont garder ces sites qui les accueillent, non envahis par des bouteilles plastiques. Donc, si vous avez des loges, c'est qu'il fait très chaud, de préférence pour fermer ces deux-là ici et laissez-nous les vides dans le jeton. Dans des poubelles qui sont sous nos yeux, puisque nous ne devrons pas les rejeter dans les quartiers qui vont accueillir notre très cher papa Gianni Fai, puisque le premier réflexe étant de jeter partout un nouveau pont qu'on jette par terre. Plus tard, nous aurons des modèles de plastique dans le quartier qui va l'accueillir. Voilà, ça c'est de 1, de 2. Si vous êtes là pour la première fois dans le grand bâtiment, là, nous avons prévu des sanitaires pour l'installation hygiénique en toilette. Pour dames et messieurs, il y aura forcément quelqu'un jour notamment pour te fermer les yeux, quelqu'un pour rassembler des amis, organiser des cliniques, ton courrier. De tes souvenirs le plus cher, fin des citations, c'est d'après un auteur français, Jacques Attali. Mes chères familles, chers artistes, mesdames et messieurs, nous savons qu'en de ces pénibles circonstances, les paroles ont peu de poids et elles sont impuissantes à tenir votre immense douleur. Mais la personnalité de l'artiste et comédien, Lobilo Vita Emmanuel, était tellement marquante que sa famille, logique, ses collègues comédiens, ses amis et ses fans failliraient à leur devoir en ne manifestant pas publiquement leur admiration pour celui-ci, un brillant artiste et comédien, très cher Emmanuel Gianni Fai. Ils sont là, ils sont tous présents, qu'ils soient croyants, agnostiques, athées, souffrant ou plein d'espérance, santé, jeunes ou vieux, ils sont tous présents, si ce n'est pas
pas avec leur corps, c'est avec leur cœur. Tous ceux qui, un jour, ont croisé ton chemin, ont collaboré avec toi, ont fait avec toi une partie de ta route, au cours de ton incroyable destinée, ils sont regroupés autour de toi. Je n'oublie pas tes parents, tes enfants, tes petits-enfants et ta famille qui ont partagé tes joies et tes épreuves. Il faut ajouter à cette longue liste des collègues artistes, comédiens et des membres du groupe Chic Shop Premier, de l'artiste Jean-Claude Cantoni alias Gadia Dia. Cette liste ne serait pas complète s'il n'était pas évoqué la longue porte des inconnus de l'histoire, ceux que tu as croisés, écoutés et respectés. Il s'adresse à toi aujourd'hui au travers de ces quelques mots dont nous sommes qui des interprètes à la fois fidèles ainsi que surtout sobres. En pareille circonstance, nous sommes tous bouleversés et attristés qu'il nous soit permis de présenter à vous tous sa famille, ses amis, les comédiens, les connaissances, les condoléances le plus sincère, tout en rappelant que Papa Emmanuel, notre très cher, est descendant de la lignée parentale Kasoutabéa Daniel et qui nous aimait Dorothée, du village Malou, au secteur de Miloui, au territoire de Miloui, dans la magnifique province agricole du Kulu. Il naquit le lundi 11 novembre 1968 à Léopoldville, donc ici à Kinshasa. Et voilà qui vient de nous quitter immédiatement pour la félicité éternelle, encore bien intime, cette fois le 11 mars 2024 en France, très loin de son nom, on a d'abord parlé de lui, qui était de 56 ans. Comment accepter ces conditions inacceptables? Nous devons aussi accepter pour l'instant. Le papa Emmanuel, Lobino Vita Emmanuel, donc je voulais dire Gianni Fagne a merveilleusement bien rempli sa journée et qu'il a œuvré pour qu'il reste pendant longtemps encore dans la mémoire et dans les cœurs de toute l'humanité. Et monsieur Comique, serviable et généré, aussi un artiste et comédien, dont les talents ont fait la joie et a suscité l'émerveillement de plusieurs fans, surtout ici en République démocratique du Congo. Il était aussi un modèle de détermination, de persévérance et d'engagement. Sa vie artistique a été une école pour méditer sur nos faiblesses et nos doutes afin d'ancrer en nous la volonté de cultiver les valeurs les plus hautes de tolérance et de respect. Nous n'aurons plus jamais cherché à les rencontrer à ces différents endroits. Pourquoi? Je pense que tout simplement, à partir de ce jour, il vient de changer d'adresse et de commune pour reposer désormais ici à la métropole de Kinshasa. Et cela dans le quartier VIP Culture B. Nous, frères et sœurs, qui nous réveillerez assez souvent pour percuter sa mémoire, nous ferons plus de ce que nous avons fait. En fait, c'est vous avec le site de l'Europe de l'année, vous allez nous protéger le projet de femme, et nous ferons plus de ce que nous avons fait. Il a rejoint quel autre plan? Nous devons aussi accepter pour l'instant de ne pas tout comprendre et que notre cher frère Lobino Vita, dit Gianni, avait son propre plan de vie. Tout a une raison d'être et nous devons accepter l'inacceptable simplement en offrant notre confiance à l'intelligence du grand plan de vie. Accepter permettra de bien démarrer le processus de guérison de votre souffrance intérieure. Par suite de cette disparition, chère famille, nous essaierons de nous consoler en nous rappelant que Papa Emmanuel, Lobino Vita Emmanuel, je voulais dire Gianni Faye, a merveilleusement bien rempli sa journée et qu'il a œuvré pour qu'il reste pendant longtemps encore dans la mémoire et dans les cœurs de tous ceux et celles qui l'ont connu et adopté. Notre très cher Papa Emmanuel nous laisse nous souvenir de notre rassembleur qui était un monsieur comique, serviable et généré, aussi un artiste et comédien, dont les talents ont fait la joie, ni à sa résidence en France, ni même à la sortie d'une quelconque production scénique, ou moins encore après le culture du dimanche. Et bien, nous ne pourrons plus jamais chercher à les rencontrer à ces différents endroits.
froid, c'est parce que tout simplement, à partir de ce jour, vient de changer l'adresse de commune pour reposer désormais ici à la métropole de Kinshasa, et cela dans le quartier du Haïti, situé sur l'allée 4 numéro 22 de la maison de Kinshasa, dans la commune de Lancélé. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très cher papa Lobino Vita Emmanuel, appelé affectueusement Gianni Fay, et bien les cités des micros de Kinshasa, quartier du Haïti, situé à l'allée 4 numéro 22 de l'avenir du souvenir de Kinshasa. La commune de lancer ses enfants à cette adresse, chers amis, parents et amis, frères et sœurs, qui vous reviendraient si souvent pour perpétuer cette voie. Vous souvenez que les micros vous présentent où ça s'est fait. Je pense que là, les chants de la nécropole entre les terres essaient d'être accessibles durant toute l'année, c'est-à-dire le 1er janvier en maison, même les jours fériés, mais cela va. Je suis un peu plus
L'émotion est si forte. Ce que nous ressentons tous en ce moment et en ces lieux. Je nous invite à un peu plus de courage. Famille biologique, famille Mouzela, et famille professionnelle, les artistes, tous à la Makassi. Parce que la voie par laquelle Gianni Faye passe, c'est cette voie même par laquelle tous, et alors tous, passeront. Tenons bon, soyons forts. Qu'est-ce que nous pouvons dire en ce moment? Au nom de tous les artistes comédiens du Congo. En fait, ceci, ce serait passé dans Musée National. Musée National et Sandi Population. Naliwa ya Djani, Musée National et Sandi Bakino. Place à Kokota, ils allaient quitter. Place à Koleka, ils allaient quitter. Et toute la cérémonie telle que concoctée n'a pas pu se réaliser dans la Musée National. Voilà pourquoi, avec le concours, il y a ETEC, Tokomeka, pour ça là, juste le mot, des choses qui auraient pu se passer là-bas. Mais les artistes, au Balega, dans la place, dans la victoire, ils ont pu dévoilé, plaque, il y a immortalité, il y a Gianni Faye comme artiste. Bandeko Libota, Bandeko artiste. Il y a Bissot Lelo, Asilisi pour jouer. Artiste qu'il a été, il vient de quitter la scène. Les rideaux sont tombés. Et l'artiste passe dans les coulisses de l'histoire. Nous ne le verrons plus qu'à travers ses œuvres. Oui, qu'à travers ses œuvres. Car l'artiste ne meurt jamais. C'est l'occasion pour nous de nous interpeller, chers artistes, que notre présence ici, il vous soit fort et en interpellé. Si le monde a afflué les lobatala, balé la faille, bas on oreiller. Si la République, à travers la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, a honoré cet artiste, c'est parce qu'il a su faire son travail. Gianni Faye, surnommé Mobutu, déjà le nom de Gianni Faye, qui n'est pas le nom, papa de maman va appeler ça qui est. Les Akombo, Azuna Chicho Koyenge, Asali Moussala, Yangade Dangadios, Alati Posoya artiste Kino Iwanaï. Parce qu'il ne s'est pas défait du nom de Gianni Faye. Obenye Mobutu, Obenye Luambo, c'est tout ce qu'il a su incarner dans Moussala. Ça veut dire que Baetotikali, faisons une introspection. Tomital, Lobitour Nayou, est-ce que qui chasse Golé Layou? Nagoswana, Nagofinga, Nanabaninga, est-ce que qui chasse Golé Layou? Est-ce que famille Roussanga, Nagotour Nayou, Moutoutiaka, Songi Songi, parce que ma vedette Nalibota Nayou? Chers collègues, Isika Matanga, Isika
tous interpellés. Qui ça et Yaka Namoussala. Et maintenant, on m'a pécaté pour croire que tu es au-dessus de tout le monde. Tu peux insulter tout le monde impunément. Soukanamouizani. Car en toute chose, nous devons considérer la famille. L'artiste est une personne humble. Car c'est un agent social. C'est un éducateur de masse. Et nous devons le prêcher par exemple. Chers membres de la famille, chers tous, nous vous disons infiniment merci. Chers amis de la presse, nous vous disons merci. Vous avez accompagné cet événement. Banda Uyokaki Samouya Yuaya Tchani, Bandegoya Poto Basanaki, Bandego Kishasa Tosangani, Poto accompagné Ndekonabiso, Awa Tokumina Minita Souta. Merci pour tout le temps que vous avez consacré. Merci pour le sacrifice que vous vous êtes imposé. Nous sommes venus prendre le corps de Janine Aboutou et vous étiez là. Parfois n'a pas moto, parfois à pied. C'est pour dire merci à cet homme. Merci à la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi et spécialement à maman Denise pour s'être impliquée sans faille, de sorte que Ndegonabiso Lelo Akundama dignement. Je suis également toute personne, physique ou morale, qui a assisté la famille, qui a assisté les artistes d'une manière ou d'une autre. Côté Lelo, et que les uns les autres retrouvent à travers ma modeste personne notre gratitude. Je vais demander aux artistes. Merci. Ah!
l'école. Pardon. Il avait une histoire, il avait une famille. Moi, tu te la prophétie, maman, que c'était quelqu'un. Pour elle, ils étaient rien. Pour nous, ils étaient
notre frère. Frère Otika est la Pokanae. Il venait quelque part. Il était sorti quelque part. Pokanae, on va se rapprocher. Et nous tous sommes venus quelque part. Nous tous sommes venus quelque part. Vas-y, ma tante, allez, Lio. Ma Pundio. Mon danseur, oui, allez, Pundio, Yaya. Lio, Yaya. Et ça, les copains, allez, merci pour ça. Ma comme le côté ce matin, à tous les Lio. Il avait un pays, cet homme-là. Il n'est pas un immigré. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bien chère famille, chers parents et amis, compagnons, gardes, compagnons, merci infiniment du choix porté sur notre bon, notre très cher papa Camille Devey, on n'en envoie pas des bouquets de plastique, je sais qu'il fait très chaud, vous avez droit. Dans la vie, il faut faire toujours quelque chose de mieux. Il y a Tchani Fay, peut-être que Banda a eu qui valeur dans les sous-souhaités. Même Bokanae, Fondation Denise Yakero, Ban, Bissoba Congolaise, Bissoba Chroniqueuse, Tolaxi à Tchani Ketolinga, et Tokotika et Sika, et Tokotika, là, on a mis colonie en Sekoya. Mais pour ne pas que ça va commenter, mais les Tokotanakati, Tolaxi à Nini, Maignon, c'est les Kanakati comme ça, Tokotanakati, Binon, Dengenion, Soba Comédien, Bazol, Lendekona, Dengeni, bah, c'est disponibilisé pour la méchée. Manuel et Tchandi Faye, Oyotozo Lelaya, Koufina, âge à 56 ans, Apo Firenze est inconsolable, de vos Moukoko, de vos Nakoukou, comme on a été, parce que Banda Banda Koulamaya, Apo, je dirais, alors qu'au Canada, tant qu'au Tala Bissoté, mais le Kola Tosan et Lenga Congo, Toko Tala Kasi, Tosaba Image, Nyonce Pina Pessi, merci beaucoup, Nartiste Bina Filo, Pessina Penza voiture n'est en disponibilité pour être dans sa Bakou Sonara, Malam, merci beaucoup. Nébité, tu peux dire quoi? Et alors on a ça, tu es compatible avec l'artiste comédien, mais bango au retour, bazar à la retour, on a pas la biso, biso sur des problèmes, ou bien ton couffé le bayer raté. Mais est-ce que, et alors on a une biso avec l'artiste comédien, l'artiste comédien bazar à bolingoté, bolingo la bango il a balancé ça, bolingo la bango kaka, ceux qui montent couffé, et bajani fait bazar belé, bajani basile tient l'artiste comédien et belé, et ça l'artiste belé basi bazar nyoko la bango, bazar bon la colo bara air en haut. Bon, il y a encore maquette, un problème de commis, oh, goûte un tel. Moi, si je me demandais qu'on y ait un peu de temps, mais tu as déjà un peu de temps, tu as artiste et comédien et belé. Il y a un peu de temps, il y a un peu après, maintenant, il y a Djani. Il y a un artiste et comédien, oh, oh, basi, bazon yoko la bango présentement. Bazalie belé, baye pe awa. Oh, mon ami, artiste et comédien, mon rabou. Donc, moi, si pendant de moi, ça nyoko la ye, ya rosaranate. Et comme il est beau, Djani Fay, il est le pomme, acte, naye, le bac, on a TV. Mais il y a artiste homme ce soir. Au moment, bazana bolingo entre bango, balinga na vraiment artiste comédien bolingo ezalité. Le lotto moni baromi ko laksaki. Oh, ngana kufi le lolo, tu as dit que quand on va kaba sila, na ba abakuku na ba nani. Et comment kaya sila na kaya belle vie. Mais yeba bango so ki belle vie a su problème au moment na belle vie kufi le lolo. So ki belle vie par exemple la kufi. Au moment sila ko ya abani ko le la, moninga na ngamba tanga za ki envie bonne ko solaté. Basa ya makamlo ko basambela basambela raté. Vous comprenez? Donc, Belvina Silla, dans l'église, mon corps n'est pas pasteur de la foi. Je ne sais pas si je suis un peu raté. Je suis un peu lingoté entre tribunaux. Le lot, chaque année, artiste comédien est à Koufa. Est-ce que vous avez bien chaque année, artiste comédien est à Koufa. C'est quoi? Il faut pas que je suis un peu raté. Mais le lot, on a déploré l'avenir d'un artiste comédien au Congo. Vous comprenez? Donc, dans la minute, ligne exacte, vous comprenez?
toujours en direct. Relève, n'importe la pona relève. Il y a théâtre en Abisso à Congo. Eh, bon, faut voter du Abisso, boy. On va te la tête du Abisso, boy. Et comment garder le roi Jibé Nawera? Vous comprenez? Et comment le roi faire en Afali? Belvi a l'ingara si la tête. Si la pas l'ingara Belvi tête. Donc, ceux qui le lobe Belvi à Koufi, au moment où si la roue est roulée là, ceux qui n'ont cinquantenaire, ceux qui ont des camarades dans l'aïe, mettons à Zaki en vie pour l'ingana qui était. Il y a Djani Pazaki qui a battu en bando l'inga était. Il y a Djani Pazaki qui a battu Oyo, Bandeko l'inga, Djani Faite. Mais Djani Kabouna a battu. Djani, Djani, a Kabouna a battu, mais Bandeko l'inga était Bazali. Vous comprenez? Djani, et là, vous avez vu que l'inga qui est Djani, c'est artiste et comédien ou à Poto. Oh, bazar pour le banquier, y a Djani a sali 16 ans, a zo moukandate. Mais ben là, c'est comédien à Bassi. Pour la nini, au zo kate ya Djani, au konsi kalata mou mobali na yo. Ou soit, bosa yata système kandenge zalara, bobe tata l'infant, bosa yata famite, au pesi ya Djani moukanda, ba marzi bondoe. Et bon, so basa yaki yango ya linga yana yete. Te, au moni, ba marzi bazar wana bazo lela lela ngayi ko lela bango, nao sepe ya nangote. Et ça, l'arme ya kokrodil bango tunde bazo lela bongo. Ba marzi, bandeko, surtout ba ouya basi. Bazo la ksa ki se comme si ba onde ba linga ki ya Djani makas ko lega ba artiste comédien nyo so ba yana poto. Donc ba linga ki Djani faite. Donc botika ko lagisa ko kosa ka biso. Oh ya Djani, ya Djani, ya Djani. Te, ba artiste o le botika li, bo bengana ka deja tan, bo bengana deja ba la brine o bozana bongo na bandako. Bo bengana ka deja ba la brine o botika la bandako. Fo baza ebele, eze ebele. Papa, on y évite que le laboratoire met un missile et c'est une mission sur le sol ou d'un cala. Ignorant, c'est là ça. On m'a dit, oh yo, signaliste suppositoire, oh yo, signaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostéril, oh yo, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse. Et quoi, aider ma casse. Mais Borex, ce que c'est ce traitement, nous tout. Il y a hémorroïde. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de papa. Ce qui est bon, on mesure les centimètres avant de vous faire. Pour vous dire ça, on mesure les sous. On comprend que Borex est toujours champion. On comprend. La question n'est pas la question. On consomme si comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais à Missine. Et puis, et ça l'a mis dans le Congo. Dans le caca à Congo. Dans le Congo, il y a Congo. Maman a consi. Il n'y a pas trop consi. Et, où est-ce que tu as dit? Il y a un Borès, il y a un Borès. Il y a un Borès, il y a un Borès. Il y a un Borès, il y a un Borès. Au monde, il y a et ça l'a mis là-bas, pharmacien congolais, docteur Pidjoutonné, yéne savant. Mouten Abiso Bandeko, ngai docteur Pidjoutonné, naza pharmacien ya formation, naza formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis naza liba master na niveau ya université Marie Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique, naturelle. Naza liko œuvre dans le laboratoire CRMTA ou Ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti et qui est dans la mission de la Congo. Qui est dans le monde de CRMTA et subir des essais toxicologiques et puis des essais cliniques. Et ça, la différence dans la mission de la tradition parce que et subir quand même moi ma étude. Et puis, qui est-ce qu'on est dans la CRMTA? Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, il y a mis sur le marché le niveau, il y a Mboka, et puis les bandes, il y a Mboka. Mais qui est-ce qu'on est en train de produire la CRMTA? Et puis, on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde.
Voilà la différence pour les autres entre les bisous, na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc une femme. Awa na laboratoire mais ici, docteur Pichou Tondele, y est des savoirs. Qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 a zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Et samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout awa, Bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Et dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Eko Banda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka, ceux qui aiment la Silesi, Mbalamoko Night Club, To Boîte et Fungwami, à partir de minuit. Tiba 5h avec DJ Bobo. Oyo, a kosepele sabino na bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Nous te reçons la 50 boîte. Le tata King, c'est Joe Masker. Chez Djonga Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo. Noisy le sec, Nassimé McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mon boko y ambiance, Nakati à Paris, pe na France, mon Bimba. Attention, 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 attention.